À quelques kilomètres de la frontière belge, la petite ville de Givet. Il y a 3 ans, Élodie, la trentaine, s'apprêtait à dire au revoir à sa vie d'avant. Elle quittait alors son poste de conseillère d'éducation principale. Là, c'est mes emplois du temps bac, on s'en fout, c'est passé, c'est terminé. Donc, je vais pouvoir tout dégager. Le fait de tout jeter, là, ça fait du bien. Ça motive dans notre préparation voyage. Faire ses cartons et se séparer des collègues un peu surpris. Salut, salut! Encore la pause café! Ça va, ça va. Il nous ramène quoi de bon? Des petits croissants. Voilà, merci Élodie. Croissants pour le chocolat. Trop gentil. Quand elle a commencé à m'en parler un petit peu l'année dernière, elle me dit je vais certainement avoir un projet de vie, le Costa Rica. Oh, Costa Rica. Enfin, on est à Givet dans les Ardennes, quoi. Pourquoi le Costa Rica? Et moi, j'ai trouvé ça, c'est extraordinaire. Hein. Faut pouvoir faire le pas et y aller. Donc, j'encourage. Et comme ça, on aura un pied-à-terre au Costa Rica, ce qui nous arrange tous bien. Avant le grand départ, Élodie rentre à la maison pour une ultime session d'entraînement avec Pierrick. Salut. Ça va, ma chérie? Le jeune couple rêve d'ouvrir une crêperie au Costa Rica. Ça va? Ça a été sa journée? C'est des crêpes, du coup? Ingénieur dans le nucléaire, Pierrick est déjà bilingue en espagnol. C'est loin d'être le cas pour Élodie. T'as révisé ton espagnol? Más o menos. Qu'est-ce que t'es en train de mettre? Je sais plus. Elle? Azúcar. Ah, azúcar. Il va falloir que tu révises. Hein. Ouais, c'est pas possible. Hein. On peut pas partir comme ça. Derniers efforts à fournir avant le grand saut dans l'inconnu. Non. La main. La mantequilla. On part sur quelque chose de tout nouveau et on a un petit peu peur de se tromper et puis de faire les mauvais choix et de se rater. Ouais, c'est la première fois finalement qu'on prend peut-être autant de risques. Ouais, c'est clair. Et donc du coup, ça fait peur. C'est physique, hein, la pâte à crêpes. Les défis à relever ne manqueront pas, mais la promesse d'exotisme est au moins garantie. L'envie de soleil, de vivre au bord de l'eau sous un cocotier, c'est un peu notre envie de paradis. Ouais. Et puis, du coup, moi, quand j'ai rencontré Pierrick quand il était en école d'ingé, moi, la première chose qu'il m'a dite quand on échangeait un peu tous les deux, c'était « je finirai ma vie sur une île à faire des cocktails ». Mais du coup, alors, je me suis bien fichue de lui. Hein. Je lui ai dit « oui, c'est ça, on en reparlera ». On fera pas de cocktails, on fera des crêpes. Du coup, c'est rigolo, quoi. 10 jours plus tard, Roissy-Charles de Gaulle, le jour J, le grand départ. Dans 3 heures, Élodie et Pierrick embarquent pour l'Amérique centrale. Bon, ben, on va y aller. Ah, c'est bon, c'est bon. On fait WhatsApp, Facebook. Un aller simple, loin, très loin de la famille. La seule fois où je suis partie, c'était pour aller à Lille, donc grand changement. À 2 heures de route, l'aventure. Mais du coup, ouais, c'est la première fois que je pars aussi loin de ma famille. Ouais. Après presque 2 jours de voyage, Élodie et Pierrick débarqueront au Costa Rica. Dépaysement assuré, mais la vie sous les tropiques sera-t-elle à la hauteur de leurs rêves? Larguer les amarres, s'inventer une nouvelle vie, des Français aventureux ont relevé le défi. C'est le vrai moment, là. C'est le moment. On va démarrer. Nous avons été à leur côté dès le début de leur histoire. On est allé au Mexique, puis on a enchaîné avec le Costa Rica, et puis coup de cœur pour le Costa Rica. Pendant 3 ans, nous avons suivi l'évolution de leur projet. C'est ça qui va faire rentrer de l'argent dans les caisses pour pouvoir continuer à vivre. Choisir de vivre autrement. Ici, c'est une ambiance tranquille, Caraïbes, Pura Vida. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. De Vaison-la-Romaine à la Laponie, Régis et Marie, eux aussi à bientôt 50 ans, ont tout quitté pour vivre enfin de leur passion, les chiens de traîneau. J'adore les regarder, les loups. Quand ils jouent. Ils ont investi toutes leurs économies dans cette maison, perdue dans le grand nord de la Suède. Coupés du monde, vont-ils s'adapter à ce désert glacé? S'il vous plaît, dernier appel, embarquement immédiat. Leur projet, accueillir des Français et leur faire partager leur nouvelle vie. Partager ces moments-là avec les gens qui viennent nous voir, c'est un plaisir. On prend large. Dans quelques jours, ils lancent leur première saison. Le succès sera-t-il au rendez-vous? Magnifique. Époustouflant. Dans le sud de la France, à 43 ans,
Audrey a quitté il y a 3 ans son poste d'assistante de direction pour devenir éleveuse de chèvres. Non, ça tire pas. Pour que son projet devienne réalité. Ma superbe salle de bain, où je me douche pas, hein, parce qu'il n'y a pas d'eau. Pendant près d'un an, elle a renoncé à tout son confort pour vivre près de l'école où elle apprend son nouveau métier. 25%. J'ai un rêve. Au final, je veux être éleveuse de chèvres et c'est pas ma formation initiale. Donc pour y arriver, faut se remettre dans les études. Audrey a réussi à franchir les premières étapes. Elle peut aujourd'hui partager sa passion avec ses enfants. C'est vraiment trop mignon, c'est beaucoup plus doux que leur maman. Mais l'apprentie chevrière reste lucide, rien n'est encore gagné. De s'amuser à regarder des bébés sautiller d'un caillou à l'autre, c'est que derrière, il y a un crédit à rembourser. Audrey parviendra-t-elle à vivre de sa passion ? Il y a 3 ans, Corinne et Hugo ont quitté Paris et l'industrie du luxe pour reprendre un hôtel sur la côte d'Emeraude, en Bretagne. Ils sont pas partis déjà, là ? Depuis, ils se battent pour le faire monter en gamme. Un chantier de taille, des mois de travaux avec comme objectif décrocher une nouvelle étoile. Non, les gens l'adorent. Ils adorent passer du temps là, bouquiner, prendre un verre. Autre défi pour les hôteliers accaparés par leur nouveau travail, assurer la bonne intégration de leurs 3 enfants. Quand ils ont quitté Paris, c'était plutôt compliqué. Pour l'instant, c'est pas comme on voulait que ça se passe. Du coup, c'est pas... Après, je sais pas comment ça va... Comment on voulait que ça se passe. Au fil des saisons, Alice, Louis et Charles découvrent les avantages de la côte d'Emeraude et prennent goût à leur nouvelle vie. Je vais faire du surf. Je me suis fait plein de potes, j'y retourne l'année prochaine. Ah d'accord. Pendant 3 ans, nous avons suivi celles et ceux qui ont osé tenter l'aventure. Les joies du changement, mais aussi les doutes et la fatigue. Est-ce que je vais réussir à atteindre mes objectifs de lait ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème sanitaire ? Est-ce que les questions, elles s'enchaînent toute la nuit ? Physiquement, c'est vraiment, vraiment dur. Dans quelques mois, il me faudra une aide supplémentaire parce que je ne pourrai pas tenir sinon. Qui sont ces Français qui ont décidé de tout plaquer ? Quitter un boulot, une petite fille, une famille, des racines. On laisse pas mal de choses. On laisse des souvenirs, on laisse des amis. Mais c'est un choix. Au bout de 3 ans, seront-ils déçus du voyage ? On vient de voir une tortue. Ou au contraire enrichis, transformés par cette expérience hors du commun. En Provence, dans l'arrière-pays varois, voici la nouvelle vie d'Audrey. À 43 ans, cette ancienne employée d'une entreprise de plomberie a tout plaqué pour changer de vie. Viens me sortir, s'il te plaît. Désormais, 2 fois par jour, elle nourrit ses chèvres. Et quand elle le peut, Audrey embarque ses enfants dans son aventure. À 9 ans, apprentie chevrière, Angelina prend plaisir à aider sa mère. Il faut faire attention à la répartition pour qu'il y en ait partout pareil, sinon il y en a qui sont favorisés. Vas-y. Tu ouvres la porte sans te mettre devant. Non, pas la petite fille n'a pas encore tous les bons réflexes. J'ai pas fait. C'est pas le tout de répéter, hein. Ça rentre pas toujours. Elles ont toutes couru, du coup elles m'ont reporté comme si c'était un ouragan. Non, les bouquets. C'est un petit peu comme mes peluches. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Quand je les caresse, c'est un bonheur. Ah non. Pourquoi lui, non? Son museau, en fait, il est sale. Et du coup, je n'ai pas envie qu'il me fasse plein de petits bisous. Et moi? Pas de câlin pour tout le monde, mais pour bichonner ses chèvres. Bon, quand même, on va mettre de la musique. Audrey a une astuce bien à elle. La musique classique pour adoucir les mœurs. La musique aux chèvres ? Ouais. Je branche. C'est sympa. Voilà. On va écouter les émissions de musique classique tout l'après-midi et puis comme ça, quand j'arrive ce soir, elles sont calmes. Lui aussi, il aime. Les canards, ils se dandinent sur la musique classique. Voir papa. Ça sent bon la luzerne.
Une fois les chèvres apaisées, Audrey se rend avec sa petite Angelina vers ce qui va devenir bientôt capital pour son projet, coucou, sa future fromagerie. Son compagnon Cyril a presque terminé l'installation. Moi, tu vois, je t'ai mis le thermostat pour ta station de lavage. Et c'est quoi les tuyaux qui partent là-bas, ouais? Ça, c'est le chauffe-eau. Le rouge, en gros, c'est l'eau chaude et le bleu, c'est l'eau froide. Ouais, c'est ça. Bravo. Mais c'est facile, hein? Il y a encore quelques semaines, voici à quoi ressemblait l'endroit. Aujourd'hui, grâce à Cyril, ce laboratoire répond à toutes les règles sanitaires pour produire des fromages. Alors, il y a une jolie porte-frigo bien grosse et bien étanche, parce qu'ici, il y a le haloir. Et c'est le saint des saints. Ah oui, tiens, ça s'allume à part, ça. Parfait. L'affinage des fromages se fera ici. C'est pile poil des escaliers pour moi. Pareil, petite pièce bien sympa. Je pensais pas avoir un truc aussi chouette. C'est un endroit extra, propre, fonctionnel, et où je vais m'éclater à faire des fromages et à les emballer, à les préparer, les emballer. Punaise, c'est le top, quoi. J'ai un lieu de travail extra. Si Cyril n'était pas doué de ses mains comme il l'est, je crois qu'on n'aurait jamais pu faire tout ça. Parce que il le fait bien, il le fait vite. Et il le fait de façon à ce que moi, financièrement, ça grève pas mon budget. Puis bon, c'est bien le travail, moi j'aime bien, c'est une habitude, voilà. Et puis de créer, de voir les choses évoluer. Puis bon, c'est surtout pour son projet, voilà, elle est contente. Et puis elle est arrivée à ce qu'elle voulait, voilà, c'est bien. De toute façon, on est unis pour le meilleur et pour le pire. Hein. Pourtant, on n'est pas passé devant le maire. Hein. Non, ni devant le curé. Ni devant le curé. Allez, on va à la maison, la nuit est là. Dans quelques semaines, les chèvres produiront leur premier litre de lait. Audrey pourra faire ses premiers fromages, une nouvelle étape cruciale dans son changement de vie. Dans le Grand Nord, en Laponie, l'hiver a pris ses quartiers. Ce jour-là, le thermomètre affiche moins 12 degrés. Depuis leur installation, il y a bientôt un mois... Viens ma fille, voilà. Régis et Marie commencent toujours leur journée par une séance de câlins avec leurs 16 chiens. Ils grognent de joie, un petit chou. C'est chouette la vie ici. Ouais. C'est beau mon cœur. Hier, malheureux, hein. On est bien là? Là, on est super bien. T'as mis bien un chien dans la neige, avec le silence, c'est pas mal aussi. Allez chou, laisse-moi me lever, sois mignon. Dans quelques jours... Leur premier client, une famille française, débarque. Elle logera ici, dans ce chalet prévu pour 4 personnes. Pour les accueillir, Marie et Régis veulent que tout soit impeccable. Attends, comment ça marche, le chauffage au sol? Je le mets déjà ou pas, le chauffage au sol? Il faut vider. Donc si on réussit à développer cette activité qui va allier à la fois le plaisir et qui va nous permettre de continuer à vivre ici, alors là, c'est tout gagné. Mais c'est vrai que c'est la première saison et il faut qu'elle se passe bien et que tout le monde soit content, à la fois ceux qui vont venir et nous. Côté logistique, rien n'est simple en Laponie. Il y a la neige et l'isolement. La ville la plus proche est à 40 km. Pour ces courses, mieux vaut ne rien oublier. C'est ma liste, ça me fait gagner du temps. Pour éviter les allers-retours, Marie ne vient ici qu'une fois par semaine. En Suède, la vie est plus chère qu'en France. Le budget alimentation est donc surveillé de très près. Les fruits et légumes sont chers. La salade verte, elle est à 4 euros quasiment. La même, je la trouve en France à 99 centimes. On l'apprécie quand on la mange, celle-là. Donc ça, on oublie. Dans les rayons, pas toujours facile de s'y retrouver. Au début, c'est différent parce qu'on n'a pas ses repères, la traduction. Les dessins, ça aide beaucoup pour savoir ce qu'on mange, ça aide. Alors ici. Et pour manger local, il faut avoir le goût de l'aventure. Ça, c'est du fromage en tube, aromatisé. Là, on a du homard, jambon, crevettes, du salami, du bacon. Si on veut se faire des tartines, moi j'aime bien. Moi j'aime bien le bleu, là. D'ailleurs, je le prends. Petit plaisir. Avec ses courses, Marie pourra nourrir ses clients pendant une semaine.
principe, j'en ai pour 380€ à chaque fois, chaque semaine. C'est près de 20% plus cher qu'en France. C'est une bonne chose de faite. Maintenant, il faut recommencer dans l'autre sens. On vide dans le coffre. De son côté, Régis, lui, est à l'aéroport. Il vient accueillir ses premiers clients et il a le trac du premier rendez-vous. Stockholm, SK 2002, retard 5 minutes. On va voir effectivement si ça leur plaît, si tout ce qu'on a préparé durant cet été, etc., si ça leur plaît. Et voilà, là c'est parti pour une semaine. Bonjour! Alors ce vol. La petite famille arrive tout droit de Toulouse. C'est son premier voyage dans le Grand Nord. Elle restera une petite semaine. Et voilà, tout est là. Bon, vous savez quel temps il fait dehors ? Ah non, ils savent pas quel temps il fait. 17. Ouais, c'est à moins 17, il fait beaucoup plus froid chez nous. Déjà. Allez, on y va. Ah, là il fait plus frais. Ça y est, ça commence à... Le froid glacial, la nuit qui tombe à 15h, Régis et Marie ont fait un sacré pari en s'installant en Laponie il y a 6 mois. Sur les hauteurs de Vaison-la-Romaine, dans le sud-est de la France, ce jour-là, avec leurs 16 chiens, Marie, animatrice dans les centres aérés, et Régis, vétérinaire, se lançaient dans l'aventure la plus folle de leur vie. Et 7h, hein, donc il faut finir de charger et puis il faut qu'on y aille. Hein. Tu vas rentrer. Ah là là, allez, on prend Sugio. Il est plus grand. Allez hop, pour un grand comme toi. Oui, mon nounou, oui, ça y est, on sort. Allez, on est parti. Direction le cercle polaire. 3500 km, 3 jours et 3 nuits de route non-stop. Ça va le faire. Surtout qu'on a quand même pas mal de pauses aujourd'hui. Pendant que l'un conduit, l'autre se repose. Leur nouvelle vie est au bout de ce long voyage. On va vers d'autres aventures, d'autres... Donc non, on part pas malheureux. Hein. On est plutôt heureux, on s'en va vers l'avant, mais effectivement, on laisse des souvenirs, on laisse des amis. Mais c'est un choix. C'est comme ça. Le but, c'est pas qu'ils courent, là. Ils vont courir tout ce qu'ils vont pouvoir dans l'Arctique, il n'y aura pas de souci. Le but, c'est qu'ils prennent l'air, c'est qu'ils puissent faire la pipi, qu'ils puissent boire. C'est tout. Au fur et à mesure, ils attendent. Un par un, on arrive, on fait le câlin. Là, il y aura beaucoup de chiens. 16 câlins à distribuer. Hein. Oh oui. De courtes pauses. Les kilomètres défilent. Le Grand Nord suédois approche. On n'est pas loin du tout. Il est 5h du matin. Oh, notre poubelle, elle est par terre. Après 3 jours de voyage. Et voilà. Ouh, c'est cool. Ils arrivent enfin dans leur nouveau chez-eux. Vache. Viens, ma fille, tu viens? Allez, viens. Ouais, ma fille, elles sont contentes. T'as vu un peu? C'est chouette, hein? Oh là 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 là. Là, on ne paraît pas enthousiaste parce qu'il est 5h30 du matin, on a envie de dormir. Mais non. Mais ça fait plaisir de revenir. Déjà, de rallumer tout. C'est parti, quoi. Pour 50 000 euros, Marie et Régis se sont offerts 2 hectares de forêt et ses 3 chalets. Le tout acheté sur un coup de cœur. Une transaction à distance, sans même avoir visité. Le couple habite la première maison. Les 2 autres seront des chambres d'hôtes pour accueillir leurs clients en quête de sensations froides. Une immense prise de risque qu'il va falloir rentabiliser. En attendant les premiers flocons, les Samoyèdes découvrent les Landes du Grand Nord. À quelques semaines du lancement, il faut bien préparer les chiens. La réussite du couple repose surtout sur eux. Stop. Ouh. Alors, ils ont été comment rapides, lents? Ils n'ont pas été encore super rapides, hein, parce que là, c'est la première fois qu'ils reprennent bien, quoi. Hein, donc, par contre, quand ils démarrent, ils démarrent bien. Ouais. Ouais. Les chiens vont devoir s'adapter eux aussi à leur nouvel univers et à leur nouvelle mission, promener les clients dans ce paysage de contes de fées. En Provence, il est à peine 6h
et Audrey est déjà sur le pont. Et ouais, maintenant je me lève tous les jours à la même heure, il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus de samedi, il n'y a plus de jours fériés. Tous les jours on se lève à la même heure, la loulou. C'est un plaisir. Les animaux, c'est eux qui décident, il faut les nourrir. Voilà. Leur apporter de l'amour et voilà. Allez, loulou, viens. Monsieur veut du thé? C'est mon petit déj. Hmm? Pour aller voir ses chèvres, Audrey n'a besoin que de quelques minutes. Au milieu de la Pinède, son exploitation s'est agrandie, avec un bâtiment flambant neuf, construit sur une parcelle prêtée par un viticulteur. Chut, Newly! Newly, stop! Newly, la mauvaise élève, a reçu du renfort. Allez, viens, Newly! Salut les filles! Et les garçons! Ici, les chèvres, mais pas seulement. L'amour d'Audrey pour les animaux prend de plus en plus de place. C'est ouragan. Mon canard de Pékin, c'est Donald. Tous les animaux sont mes amis. T'es beau. T'es beau. Voilà. Salut, chouchou. Allez. Bonjour, les louloutes. Comment ça va? Les louloutes ont désormais 9 mois. On est là. Et elles ne font toujours pas de lait. Audrey doit patienter encore 4 mois avant de pouvoir commencer à faire ses fromages. Elle est là. Mais les chèvres n'ont déjà plus aucun secret pour la nouvelle bergère. C'est Onyx, ma préférée. Elle est belle, non? Elle est belle. Ça, c'était de l'amour, ça, oui. Et jalouse. Je les adore toutes. Je les aime plus que ça, je les adore. Oretsa, oh, Occitane, ma râleuse. Alors, elle, c'est la vigie. Elle, c'est elle qui est belle quand il y a besoin de se manifester. C'est elle, c'est la syndicaliste. Vous les connaissez toutes, en fait, vos biquettes. Oslo. Bah, c'est comme si j'avais une classe de 46 élèves, quoi. On finit par les connaître, oui. Avec leurs petites caractéristiques, hein. Obi-Wan la gourmande. Allez, les filles! Non, Léo, stop! Stop! Tous les jours, elle continue d'apprendre son nouveau métier. Allez, venez là! Newly, sa petite chienne, aussi. Qu'est-ce que c'est? Non, la chèvre. C'est pas moi qu'il faut aller. Stop! Non, tu vois, c'est n'importe quoi. Elle se met pas du tout du bon côté. Non? Tu crois que tu travailles là? On fait pas ça. Tu la coupes du reste du troupeau, ça va pas. T'as pas compris? Eh non. Newly, elle aime les chèvres. Elle voudrait faire quelque chose avec, mais elle sait pas quoi encore. Et le challenge, c'est qu'elles ne doivent pas pénétrer cette parcelle, les chevrettes. C'est zone interdite pour elles. C'est bien, stop, venez là. Allez. Des défis au quotidien. Tout un nouveau monde à apprivoiser. Allez, venez là. Un savoir-faire à maîtriser. C'est pas grâce à vous, hein. Qu'est bordel. C'est bien, les filles. Épanouie depuis un an avec ses animaux, c'est bientôt l'heure de vérité pour Audrey. Avec la production de ses premiers fromages, elle saura si son projet est viable. Avec sa nouvelle activité, Audrey n'a pas une minute à elle. Quand elle n'est pas avec ses chèvres, elle a le nez plongé dans la comptabilité. Sur son bureau, les factures s'accumulent. Alors, il y a eu l'investissement pour la serre tunnel, 11 000 euros hors taxe. Audrey n'a pour l'instant aucune entrée d'argent. Elle vit sur le crédit accordé par la banque. Ah voilà, par exemple, ici, on a la facture des panneaux sandwich achetés pour faire la fromagerie. J'en ai pour 9 000 euros. Non. Total hors taxe, 11 000 euros. J'avais versé un acompte de 5 000, donc il me reste à payer 9 000. Il y a beaucoup de nuits sans dormir, à cogiter pour faire les choses au mieux, pour que ce soit réfléchi et que je ne me retrouve pas effectivement le bec dans l'eau en disant bah, « c'est pas possible, non, là, ça ne va pas le faire ». Non, il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche et donc ça tourne sans arrêt. Le peu de temps libre dont elle dispose, Audrey le consacre à sa famille. Tu fais de beau? Mon dessin. Comme ici, avec sa plus jeune fille Angelina. T'as passé une bonne matinée? Oui. Ouais, ça a été? T'as faim?
des instants précieux. La nouvelle vie d'Audrey lui laisse peu de répit. On va voir Odalis ? Oui ! Allez, en avant. Bienvenue au Costa Rica, le bijou de l'Amérique centrale, entre océan Pacifique et Atlantique. Pierrick et Elodie découvrent leur nouveau monde. C'est nos nouveaux voisins. Ah, mais ils font 2 mètres. Tu te vois avec ça le matin devant l'appart ? Ils sont quand même mastoc. Le matin, on réveille. On ta piscine. Arrivés sur place il y a 10 jours, ils logent à l'hôtel. Ils ont acheté cette vieille Jeep américaine pour sillonner la région. Là, on se retrouve dans la nature. Il y a une voiture bien sympa. Là, pour moi, c'est le Costa Rica. L'aventure peut commencer. Mais il faut d'abord trouver le bon emplacement pour monter leur crêperie. Et rien ne se passe comme prévu. Déjà, rien que quand vous rentrez en bas, ça sent les verrous, c'est pas la folie. Ça se fera pas celle-là. Non, je pense pas. Ah, c'est un peu moins dans nos standards. C'est les standards costariciens ici. Les visites s'enchaînent. Là, c'est peut-être un peu grand, ouais. Par rapport à ce qu'on cherche. Ou après, il faut qu'on change de projet. De concept. Moi, je me sens pas capable de sortir des crêpes pour toute la salle. Des semaines de recherche qui s'avèrent infructueuses. Alors, changement de programme. Elodie et Pierrick oublient l'idée d'une crêperie et trouvent une affaire à reprendre. Finalement, ils ont eu un coup de cœur pour un petit hôtel dans la ville créole de Cahuita, sur la côte Caraïbe, près d'un des principaux parcs naturels du pays. Ils ont investi toutes leurs économies, 100 000 euros, dans cet établissement à taille humaine, 6 chambres cachées dans un jardin tropical. Elle est là, juste là avec son bébé. Tu vois ? On a une maman paresseuse dans l'arbre. Elle vient à peu près 2 fois par semaine avec son bébé. Donc c'est super rigolo. Et c'est des bonnes surprises ou des mauvaises, ça dépend sur quoi tu tombes. Donc là, pour l'instant, c'est des ratons laveurs, des paresseux, des singes, ça me va. Des rencontres insolites, mais pour le reste, rien ne va être simple. La CPE et l'ingénieur vont devoir apprendre un nouveau métier, l'hôtellerie. Le défi est immense et les premiers pas sont hésitants. Elodie, c'est elle, c'est pas bien maintenant. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est combien le prix de la chambre ? Comment ? Le prix de la chambre. Je comprends pas, désolé. Combien pour dormir ici ? Ah, c'est 10 dollars la nuit. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Du coup, j'ai que des Européens, je parle que anglais. Et ça commence à rentrer. Je comprends tout. Ça, y a pas de souci, mais parler, j'ai encore vraiment beaucoup de mal. Juste pour éviter de m'en mettre partout. Dans leur hôtel, les crêpes sont maintenant un bonus dont profitent les clients d'Elodie et Pierrick. C'est le jeu aussi de l'expatriation, ça peut pas arriver et couler tout seul. On savait qu'on serait confronté à devoir s'adapter. Bon, c'est vrai qu'on ne pensait pas autant. Ça se présente bien. Ça va. Changer de vie, c'est sans cesse se réinventer. Mais c'est aussi s'éloigner de ses amis et de sa famille. Allô ? Elodie profite d'un moment de répit pour appeler sa mère. Elle le fait 2 à 3 fois par semaine. À 10 000 km des Ardennes, Elodie se sent parfois trop loin des siens. Moi, l'éloignement, ça me pèse beaucoup. Ma famille et mes amis, c'est très, très dur. Moi, j'ai des gros, gros moments de dépression. Ouais. Je me croyais un peu plus forte que ça. Et finalement, dès qu'il y a un truc qui va pas, je pense tout de suite, j'ai été malade, tout de suite, fallait que j'appelle mes parents. Mine de rien, j'ai 30 ans, mais je suis toujours la fille à papa, quoi. Salut, petite Kevin. Coucou, bienvenue. Ça va ? C'est tout beau, tu t'es rasé. Qu'est-ce que t'as fait avec tes cheveux ? Le jeune couple n'en est qu'au début de l'aventure. Pour réussir, ils vont devoir mettre de côté leurs états d'âme et se retrousser les manches, car le travail ne va pas manquer. Il faut en priorité rafraîchir cet hôtel qui en a bien besoin. Vous lui faites un bon prix ? Pas forcément un bon prix, mais c'est du bon travail. L'idée d'Elodie et Pierrick est de changer progressivement de standing.
Les mois qui viennent vont être déterminants. Au nord du cercle polaire, Marie et Régis réservent un accueil familial à leur premier client. T'as un boulet là. Marie et Thomas viennent à peine d'arriver et ils vont vivre leur première sortie en chien de traîneau, un peu anxieux. Donc on peut tomber du traîneau. Ah ben oui, tu peux tomber. Oui, oui. Allez, go. Avant qu'il fasse nuit. Bah dans une heure et demie, bonne nuit. Il sera 2h, il sera nuit. Pour ses clients, Régis n'a pas à se forcer. Sa passion des chiens est communicative. Alors, ça, c'est la maman. Donc, Lily. Bravo, Lily. Et là, c'est qui, ça? C'est Nyeku. Une fois les présentations effectuées, les choses sérieuses peuvent commencer. On va voir le feeling. Allez, mais, allez, John, ça. On y va. Allez, Lulu. C'est sûr que... Le chien de traîneau, c'est quand même notre passion. Donc, partager ces moments-là avec les gens qui viennent nous voir, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est le vrai moment, là. C'est le moment. On va démarrer. Allez, on prend large. Voilà, et coucou. Attention. Allez, devant les loulous, devant, c'est bien. Allez, parti. Alors, qu'est-ce que t'en penses, ça? C'est rigolo? Ouais, hein, c'est rigolo, hein. Regarde, allez. Une heure de glisse en pleine forêt, coupée du reste du monde. Pour les Toulousains, une expérience unique. Bah, oui, je t'ai aidé. Ah. Alors, mes loulous, bravo Thomas. C'est régalé, là. Ah ouais. On chantait et tout. Ouais. Attends, oui. On attend maman? Ouais, t'affoles pas, on va un peu là et puis on va l'attendre là. Oui, y a pas de soucis. Moi, je me suis régalée, hein. J'ai filmé, j'ai pris des photos, je parlais à mes chiennes, c'était parfait. Ah ouais, moi, c'était top. Pendant que leurs clients se reposent, une fois par semaine... Oui, allez. J'ai pris que le mien, j'ai pas pris le tien, tu te débrouilles. C'est pas grave, Bertie, il a dit qu'il m'en fournissait un. D'accord. Régis et Marie ont rendez-vous chez l'un des 8 voisins du village. Hello. Ils retrouvent Bertie. L'accueil est chaleureux, mais ils ne sont pas là pour prendre l'apéro. Alors, c'est parti pour notre leçon de suédois. Oui, leçon de suédois. Bertie s'est proposé de leur apprendre le suédois. Jul. Yes. Par. Julklappar. C'est quoi ça? Christmas gift. C'est les cadeaux de Noël. Julklappar. Julklappar. Il y a encore un piège, le G, on le dit I, là. Alichot. Ça s'écrit Algecot et ça c'est Alichot. Pour nous, c'est Alcot. Ben, c'est une manière de nous intégrer parce que parler le suédois, c'est quelque chose qui va nous permettre de communiquer, même s'ils parlent généralement tous l'anglais, ils vont nettement apprécier qu'on parle le suédois. Ils aiment beaucoup, ça leur fait vraiment plaisir de voir. Ouais. Tout de suite, leur visage s'illumine, ça leur fait vraiment plaisir. Puis c'est agréable de communiquer dans leur langue, puis elle est jolie. L'année prochaine, on ne parlera que suédois. Vous avez une année. Pour Bertie, l'arrivée surprise des Français dans son village a été un vrai bol d'air. This is I. I. This is... Avant qu'ils arrivent, c'était très calme ici. Un village de 8 personnes. Et il ne se passait rien le soir. Maintenant, on entend les chiens. C'est la vie. Ils ont amené de la vie au village. Ce sont des amis, de très bons amis. Pour Régis et Marie, ce premier hiver est pour l'instant une réussite. Mais leur aventure polaire ne fait que commencer. Pour Audrey, en plein hiver, le moment tant attendu est enfin arrivé. Les premières naissances viennent d'avoir lieu. Sa bergerie devient une nurserie. Oh là, les cornes qu'on poussait, lui, déjà. Lui, il s'appelle Polaire. Il est tout blanc, il est tout doux, on dirait un petit ours polaire. Et c'est un goulu. Je suis contente.
Chaque jour, de nouveaux bébés, une douzaine jusqu'à présent. Audrey attend encore une trentaine de naissances. Ouais, vas-y, tu es presque. C'est là, vas-y. Oui, on l'a. Oui. Toute seule, elle a fait, elle. Ah, les filles sont plus dégourdies. Avec ces naissances, les chèvres produisent enfin du lait. Attention, c'est parti. Pour Audrey, légèrement débordée, c'est une grande première. Elle va pouvoir tester son matériel de traite. On m'avait dit que c'était simple. Cela lui a coûté 2000 euros. Okay. Nouveau ça, Audrey ? C'est tout nouveau. On teste, on fait des nouveautés. Il y en a qui veulent pas qu'on les tripote, qui veulent pas qu'on pousse aux mamelles. Et là, ça se passe très bien. Ça, c'est le caractère de chaque chèvre. Hein. Des fois, on les appelle claquettes ou salsa parce qu'elles dansent tellement. Elles veulent pas se laisser toucher. Les nouveautés, elles sont pour nous deux, pour elle et pour moi. C'est bien, les filles, c'est bien. Audrey est sur tous les fronts. Descends. Entre la traite et les naissances, la semaine est des plus intenses. Oh. C'est toi qui as pondu ça? Il est venu d'un seul coup, d'un seul. Elle est même totalement... Elle se demande ce qui lui est arrivé, là. Hein? C'est à toi, ça? Et ouais, là, elle se rend même pas compte tellement ça a été vite. T'aurais pu prévenir, quand même, dire un petit mot, hein? Dire bonjour. De jolis petits chevreaux. C'est une petite fille. Un spectacle que les deux filles d'Audrey ne voudraient rater pour rien au monde. Coucou maman. Bisous. Salut, ça va? Moi j'y vais. Oui. Pareil, je suis trop pressée. Angelina et Lisa attendaient elles aussi la naissance des bébés avec impatience. Bah, c'est vraiment trop mignon, c'est beaucoup plus doux que leur maman. Vous êtes jolie, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Il dort? Non, il se détend. Ah, t'as vu, ça l'a détendu. T'as conjugué la poésie avec le fromage. T'as choisi la bonne, là. Ah oui, punaise. Dans quelques jours, le projet d'Audrey va se concrétiser avec les premières traites qui lui permettront de faire ses premiers fromages. Le temps d'une journée, la chevrière quitte son troupeau pour prendre la route vers sa vie d'avant. Elle retourne à Toulon pour retrouver ses anciens collègues de bureau. C'est le chemin que j'ai emprunté pendant 10 ans pour aller au travail. Mais il y avait énormément de bouchons. Et puis, sans compter les travaux, les accidents, infernal. Rien que d'y repenser, ça me mine. Ça me mine. Les bouchons, puis le béton. Ah, je suis pas revenue souvent de ce quartier-là. Oh, ils ont fait tomber tous les arbres. Il n'y a plus un arbre. Ils ont enlevé tous les arbres. Le quartier n'était déjà pas très très joli, mais alors sans les arbres. Très loin de sa vie d'aujourd'hui, il y a encore 2 ans, elle venait ici du lundi au vendredi, 8 heures par jour, pour s'enfermer dans un bureau. Dans cette entreprise de plomberie, elle est accueillie par Monsieur Pierre. Bonjour. Ah, Audrey. Son ancien patron. Une revenante. Bonjour Monsieur Pierre. Mmh. Non, vous n'avez pas trop changé, vous n'avez pas trop la nuit fatiguée. Ça va et toi, ça? Tout va bien. Ça fait combien de temps? Ça fait presque 2 ans que vous êtes partie, y compris la formation. Oui. Bah, écoutez, vous avez bien fait. À 40 ans, il faut avoir des projets, des envies, faire quelque chose ailleurs. Moi, j'étais assise là, vas-y, Clara. À l'époque, en fait, j'avais un jardin là. Monsieur Pierre, je ne sais pas comment il a fait pour supporter ça. On avait une table remplie d'orchidées. J'en avais même une qui pendait. D'ailleurs, ils n'ont toujours pas enlevé le... Et une chose incroyable, c'est ma messagerie quand on décroche. Et que... Avec le recul,
Les bons souvenirs lui reviennent. Mais au quotidien, Audrey avait bien moins le sourire. Encore moi qui parle dans votre téléphone. Il y a encore Audrey parmi nous, directement. Elle était parfois désagréable parce qu'elle se sentait mal dans son poste. Par rapport aux premières années où on a travaillé ensemble, sur la fin, c'était plus compliqué. Je sentais qu'elle avait une envie de liberté que les postes ne pouvaient plus lui offrir, à cause des contraintes horaires, à cause des contraintes de clientèle. J'arrivais plus à rester positive et à prendre sur moi pour être agréable. Je me laissais à être désagréable, oui, dans le sens pas souriante. Je répondais mal, je parlais mal, j'étais... Voilà. Je souffrais, intérieurement, je souffrais. Je fais ma psychothérapie toute seule, mais oui, on peut dire que j'étais mal dans ma peau. Un stress qu'elle ne supportait plus. Pour Audrey, quitter son travail et la ville était devenu une nécessité. Le lendemain matin, aux aurores, un grand jour pour Audrey. Ses chèvres ont produit suffisamment de lait pour qu'elle puisse enfin produire ses tout premiers fromages. À elle de réussir les bons dosages. Cette étape cruciale se tient dans son laboratoire flambant neuf construit par Cyril. Avant toute chose, respect des règles sanitaires apprises sur les bancs de l'école. Il faut se laver les mains bien comme il faut, et ça, on ne peut pas y couper. C'est pas merveilleux? C'est beau comme tout? C'est... Là, il y a un instant magique, j'adore ça. Là. C'est beau, c'est blanc, c'est moelleux, c'est... Ça donne envie d'y plonger sa cuillère. C'est ça qui va faire rentrer de l'argent dans les caisses pour pouvoir continuer à vivre en famille, à vivre avec mes chèvres. Pour moi, c'est de l'or blanc. Depuis 2 ans, elle ne rêve qu'à cet instant. Pour ses fromages, Audrey a quitté un emploi stable. Elle a vécu dans une caravane loin de sa famille. Elle s'est endettée. Tous ses efforts, tous ses sacrifices, pour en arriver là. C'est mon produit, c'est mon bébé. Je veux qu'il soit beau. Je veux qu'il soit traité avec douceur. Cet or blanc, c'est pour Audrey un aboutissement. Les petits galets seront bientôt mis en vente 3 euros pièce sur les marchés de la région. Audrey aura enfin des entrées d'argent. Elle espère qu'elles suffiront, qu'elles lui permettront de poursuivre son aventure. Son retour à la nature serait alors un retour gagnant. En Bretagne, en plein mois d'août, c'est la 3e saison pour l'hôtel de Corinne et Hugo, les anciens Parisiens. Pour eux, comme pour tout le secteur touristique, cette année 2020 est l'année de tous les dangers. Moi, je vais également prendre le menu acacia avec le petit pois et chantilly à l'eau. Ici comme ailleurs, le virus a bouleversé l'activité. Mais les patrons ont réussi à sauver la haute saison. Dans le menu acacia, ça. De façon inespérée, ils ont même recruté. Nouveau serveur et embauche d'une chef de rang. Et surtout, en cuisine, un nouveau chef. Ça fait 15 de couverts, il y aura un apéritif. Cédric a repris la cuisine il y a 2 mois. Et le jeune chef a de grandes ambitions. Une nouvelle carte. Et donc, on a mis le sauna. Un nouveau spa. Comment dire, des massages sur le dos. Aujourd'hui, l'hôtel a 3 étoiles. Les patrons visent encore plus haut. L'hôtel continue sa métamorphose, mais au prix de gros efforts. Après 3 années sur tous les fronts, en cette fin de saison, Hugo est sur les rotules. J'ai la tronche qui commence à flétrir grave. J'ai l'impression que la fatigue ne disparaît jamais de mon visage. Plus jamais. Ah, moi, je trouve que j'ai pris un coup de vieux dans la tronche. Je me suis même laissé pousser les cheveux, comme mon fils, en me disant ça va me rajeunir. Je sais pas si ça marche. L'usure du quotidien parvient parfois à semer le doute. Du côté de son fils, qui a bien grandi en revanche... Alors, mon loulou ? Tout va bien. Je suis rentrée. Un baiser masqué. Louis, 15 ans aujourd'hui, rentre c'est d'une semaine de stage de surf, une nouvelle passion qu'il a réconciliée avec la Bretagne. Ouais, je vais aller voir. T'as pas mis de crème solaire? Cet après-midi, non.
J'ai cramé. Vous l'avez vu grandir ou pas? Non. C'est juste impressionnant. Oui. Je crois que le matin, quand je débarque dans sa chambre, il a déjà pris 10 cm. C'est... C'est en même temps tellement et puis... Ça, c'est son grand... Ah, ça me fume. Ah, vous êtes petit en vrai. Ouais. Au bout de 3 ans, les enfants ont tourné la page parisienne. Faut déjà qu'ils retournent. Ouais. Bah là, c'est les sessions de l'année, là, faut pas les louper. Hein. Pourquoi? Parce que des vagues en été, c'est rare quand même. Et sinon, après, faut attendre l'hiver pour avoir des conditions comme ça. Grâce à la mer, la Bretagne les a gagnés. Le petit Charles, 12 ans, est déjà à l'eau. Lui aussi est devenu accro au surf. Une passion commune qui fait le bonheur d'Hugo. J'aime bien quand on vient de les voir. Ça fait du public, quoi. Ouais, ouais, et puis ils veulent montrer ce qu'ils font, où ils en sont. Ils évoluent, hein, ils évoluent bien. C'est quand même plus sympa de faire là du surf que d'aller faire du skate Place de la République. Enfin, c'est sympa aussi, mais ils respirent le bon air, tout est sain, voilà. Enfin, c'est très bien, je suis très content. Alors, Charlounette, t'es content? Ouais, c'était bien. Demain matin, on va ouvrir. Hein. C'était bien, non? Oui. T'as pas froid? Non. Alors, si tu combines, c'est une passoire. Bon, allez, on rentre. C'est bien, les gars. Et cet été, les garçons n'ont plus que quelques pas à faire pour rentrer chez eux. La famille vient d'emménager dans une nouvelle maison. Hugo et Corinne viennent d'acheter une villa au milieu des pins, à 200 mètres de la plage et à quelques minutes seulement de l'hôtel. Au Costa Rica, un an s'est écoulé sur la côte Caraïbe. Depuis son ouverture, l'hôtel affiche complet. On a des visiteurs tous les jours. Mecs qui viennent voler les bananes, d'autres qui viennent voler les noix de coco ici. Avec son lot d'invités surprises. Bon, c'est ça qui nous plaît. Bonjour, Maïva. À l'accueil, Elodie a pris ses marques. Ok. Tenue un dortoir pour 2 personnes. Vous voulez payer en colonne ou en dollars? Clé du succès. L'adresse est désormais bien référencée sur Internet. Et on cherchait des hostels, pas très chers, assez bien, voilà, proche de la plage. Et, puis, ouais. Et du coup, on a trouvé, l'hôtel était hyper bien noté et c'était dans nos prix, donc on s'est dit pas. Pourquoi pas. Du coup, aujourd'hui, les réserves se font quasi que par Internet, ouais. Donc ouais, les notes pour les hôteliers, en général, c'est quand même assez important. Ouais, ouais. Bon, ça marche. Oui, ouais, c'est clair, c'est clair. Maintenant, si vous voulez vous balader sur une plage, vous avez l'autre plage à l'autre bout de la ville qui est là-bas. Donc... Du coup, les filles, je vous embête avec les clés et je vous laisse tranquille. Vous avez la plus grosse, c'est la clé du petit portail jaune à l'entrée. Comme ça, vous pouvez sortir le soir, il n'y a aucun souci. Et votre dernière clé, les filles, c'est pour les casiers qui sont juste là. C'est bien rodé, maman. Oui, c'est bon, ouais. Maintenant, je connais le speech, on connaît bien Cavita, les Caraïbes. Et puis, on a vraiment une organisation spécifique au dortoir par rapport aux chambres privées. Ça demande plus d'organisation, en fait, le dortoir. Donc, parce qu'il y a plus d'allées et venues. Donc maintenant, c'est bon, on est tranquille, et rodé, professionnel. Les nouveaux hôteliers ont trouvé leur rythme de croisière. Mais pour en arriver là, le jeune couple n'a pas chômé. Sur cette terrasse-là, on a refait toute la toiture. En quelques mois, l'hôtel a bien changé. Et le responsable des travaux n'est pas peu fier de ces différentes réalisations. Le petit comptoir avec les chaises, ça c'est vraiment le petit côté Caraïbe. On est posé dans son siège, on boit son café le matin. Là, on se fait un peu plaisir sur ce qu'on a envie que devienne l'hôtel. Quoi, ouais, du coup, ça, c'est la cuisine. Le jeune patron a pensé à chaque détail, comme ici, dans la cuisine collective. Je vais venir une machine à café d'Europe parce que ça, on trouve pas ici. Et... Ça mange. Ah, on a du super café et du coup, on était obligé de les faire à la chaussette. Alors, c'est très costaricien, c'est typique, mais ça me manquait quand même un bon expresso. Des attentions qui font la différence auprès des clients. Nous, on est là pour 2 mois et demi et ça nous permet vraiment de se sentir presque à la maison. Et qu'est-ce que vous pensez de leur projet d'être venu s'installer au Costa Rica? Génial, courageux et franchement, je trouve que c'est vraiment une très belle démarche. Hein.
et pour soulager Elodie, un sacré renfort. T'as la serpillière, maman ? Non, j'ai le balai, mais pas le... Ah bah, file-moi le balai, ouais. Pascaline, la mère d'Elodie, est venue pour un mois. Mais en pleine saison, pas vraiment le temps de profiter de la plage. Tu m'aides à faire le lit ? Il y a un renfort maternel. Oui. Mère et fille ne se sont pas vues depuis un an et demi. Carrément. Petite fille. On est souvent ensemble au téléphone, les vidéos, les photos, etc. Elle me raconte un peu sa vie, mais là, franchement, non. Je vois un peu ce qu'ils font. C'est, voilà, quand on est sur place, c'est complètement différent. Et bah, ça me fait plaisir parce qu'ils réussissent, quoi. Et voilà, ça m'enlève un poids. Parce que j'étais très angoissée et mes amis m'ont dit « Mais punaise, comment tu fais pour vivre ce genre de situation ?» Moi, je n'aurais jamais laissé partir ma fille, mais de toute façon... Les enfants, on ne les garde pas pour soi. Hein. Les enfants, ils partent et puis voilà. Malgré le succès rencontré, Elodie et Pierrick n'ont toujours pas les moyens d'embaucher du personnel. Ils doivent tout faire eux-mêmes. On a dû acheter la blinde de linge pour pouvoir vraiment tourner assez facilement. Toutes mes serviettes. Elodie et Pierrick donnent de leur personne et ne comptent surtout pas s'arrêter là. Leur objectif, monter en gamme. Ils ont déjà légèrement augmenté le prix des chambres, de 20 à 25 euros. Depuis un an, tout l'argent gagné est réinvesti dans l'affaire. Et aujourd'hui, c'est le coup d'envoi de nouveaux travaux. Il y a pas mal de gros chantiers en perspective. On est contents, ça évolue. Comme à chaque transaction, tout s'effectue ici en espèces. Pierrick va dépenser plus d'un million de colones, soit 2000 euros pour ce nouveau projet. Un nouvel investissement ? Ouais, ça entame un peu le budget, mais bon, faut passer par là. Pour l'instant, on fait des petits travaux et on arrive à peu près à couvrir nos investissements avec l'exploitation de l'hôtel, avec les rentrées d'argent. Ça nous laisse de quoi vivre correctement et puis ici... On vit simplement, donc on dépense pas trop. Et ça nous permet de mettre tout ce qu'on gagne dans les travaux et puis se faire plaisir dans l'évolution de l'hôtel. Peu de dépenses et quasiment pas d'impôts au Costa Rica. L'achat du bois va servir à créer de toutes pièces une petite terrasse au milieu du jardin. L'idée, en fait, c'est de faire une terrasse ici extérieure. C'est un endroit qu'on a voulu créer avec les petites lumières pour le soir. C'est très sympa pour boire un verre. Et voilà, il nous manque un petit sol qui soit un peu plus aménagé, un peu plus sympa, parce que notamment si on a de la pluie ici, c'est un peu la gadoue. Et puis terminer avec un petit pont devant l'entrée. L'idée, c'est un pont japonais. C'est Elodie qui m'a demandé son pont japonais à l'entrée. Bon, le Costa Rica, c'est toujours pas des vacances, quoi. Non, c'est pas des vacances, mais ça reste du plaisir. Pour le jeune couple, la vie sous les cocotiers est loin d'être de tout repos. Pour s'attaquer aux fondations de la future terrasse, Pierrick a pour la première fois depuis son arrivée embauché un ouvrier. Javier est maçon. Alors maintenant, on mélange. Donner des directives, un vieux souvenir pour l'entrepreneur. Rappelle mon ancien boulot, ça. Regardez les gens bosser. J'étais manager, du coup, évidemment, je regardais les autres bosser, puis je les engueulais quand ils bossaient mal. C'est un peu le boulot du manager. J'avais envie de travailler dehors, j'avais envie de faire par moi-même. Je n'avais pas imaginé concrètement la pelle et la brouette, mais il n'y a pas de regret non plus sur l'ancien boulot. L'ancien boulot était bien, le nouveau est bien aussi, c'est juste différent. Après, si je suis dehors, il fait beau. Et ça je ne le quitterai plus maintenant. Il faut rajouter un peu d'eau. Il est 14h, le soleil est au zénith. Pierrick et Javier en ont encore pour de longues heures. Elodie, elle, peut souffler après sa matinée très chargée. Ça demande pas mal de boulot et sous 30 degrés, le pauvre. Moi, ça va, j'ai les chambres avec les ventilos, mais lui, je le regarde. Sa journée terminée, Elodie en profite pour faire une petite balade en ville avec sa mère.
fais des courses pour ton petit-déj. À Kawita, les 2000 habitants vivent essentiellement du tourisme. Ici, le rythme est celui des tropiques, loin, très loin des Ardennes. Vous, madame, ça a été une découverte ici? Oui, une découverte, oui, ça change un petit peu du nord-est de la France. En bien ou en mal? Oh, si, en bien quand même, non, là, il faudrait être très difficile. Quand même. Non. On va aller là. Tu vois, elle est là, le deuxième chemin. Kawita n'a désormais plus de secret pour Elodie. Oui, bah maintenant, on a notre quotidien. Oui. La routine, elle s'est installée, c'est oui. Ça qu'il nous fallait, en fait, c'est une routine. Et à partir du moment où tu as une routine, tu te sens chez toi. C'est des sardines. Mais pour les nouveaux arrivants, comme Pascaline, pas facile de trouver ses repères. Elle cherche désespérément ses produits favoris dans les rayons. Là, il faut se faire aussi la nourriture. Hein, parce que... Non. C'est pas simple? Non, c'est pas simple du tout. Est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qui manque? Bon, par exemple, là, je cherche du thon classique, sans huile végétale. Vivre loin des habitudes du quotidien, un scénario difficilement imaginable pour la mère d'Élodie. Je ne sais pas si je serais capable de le faire. Plus à mon âge, en fait. C'est pas que je sois âgée, hein, mais... mais bon, là-bas, on a tout, quoi. On a toute notre vie, on a toute notre famille. Eux, ils commencent seulement, ils vont créer une famille, donc ça sera c'est complètement différent. Pour Élodie et Pierrick, toute une nouvelle vie s'installe sous les tropiques. Le jeune couple songe même désormais à fonder une famille. En Laponie, Marie et Régis entament leur deuxième saison et ils affichent complet. Preuve de leur succès, le couple a déjà des habitués. Elles sont là, elles sont à l'abri du sein. Ce groupe d'amis est déjà venu l'année dernière. Coco! On est là! Pitié, Farel! Salut, ça va? Vous avez fait un beau voyage? Super, merci. Ouais. Hein? Super. Coucou. Ah, Trinity, on retrouve Trinity, c'est bon. Marie, elle s'est planquée à la maison, quoi. Elle sait qu'on arrive. Bah ouais, elle vous prépare quelque chose. Wow. Il va bien falloir manger quand même, hein? C'est pas le tout. Hein. On gèle pas, on y va. Allez, go. À 1500 euros la semaine par personne, fidéliser ses clients, c'était le défi du couple. Un pari aujourd'hui réussi. Donc je suis concentrée pour faire étape par étape, pour essayer de rien oublier. Pour y arriver, un travail sans relâche. Été comme hiver, aucune journée de repos depuis leur installation. Là, le manque de sommeil, ouais, ça commence à peser. Pensez bien que ce serait fatigant parce que intensif, bien sûr, mais il y a des fois, c'est vraiment difficile quand même. Mais à chaque nouvelle arrivée, la fatigue est vite oubliée. Salut la famille Soldat. Salut, comment ça va? Ça fait plaisir de les revoir. De toute façon, tout de suite à peine rentrée, allez, on calcule les dates et tout là. C'est chiant, ouais. Et pourquoi? Mais pour Marie et Régis. On est à la maison aussi. À la maison, ouais. Ah ouais, c'est génial. Oh, on se bouge là. Vous faites quoi? L'aventure du Grand Blanc. Allez. Commence sans tarder. Nigo. En plus des chiens de traîneau, Régis et Marie ont développé de nouvelles activités toujours tournées autour du spectacle polaire. Mode expédition. Depuis son installation, Régis a découvert des lieux d'exception qu'il aime aujourd'hui partager avec ses clients. Ça le met. Il se mérite ce petit lac, hein? C'est terrible. Mais il vaut le coup, hein? Magnifique. Vraiment, ça vaut le coup. C'est pas pénible, on adapte son pas, et puis tu découvres enfin, un paysage que tu n'as pas tout le temps, t'as pas l'opportunité tous les jours, tous les ans, de découvrir un tel paysage. Perdu au milieu de la forêt, un lac d'une centaine de mètres entièrement gelé. Régis va faire découvrir à ses voyageuses la pêche traditionnelle des lapons. Alors regarde, venez voir le sujet. La pêche au trou. Là, vous êtes sur du dur, c'est bon, hein, on sent bien. Hein. Et après, vous tournez. Pas compliqué. Sous cette neige, 60 cm de glace qu'il faut percer. En fait, trois fois, d'accord. Un lac de 5 mètres de profondeur, où la vie sous-marine résiste au grand froid. Il fait moins 30 degrés. Et vous laissez tomber jusqu'au fond. Comment tu sais que t'arrives au fond? Parce que t'as un poids, t'as vu. Ok. Bon, on a au boulot. Partez un peu par là, ça serait pas mal.
Ah ouais. Oh putain. Oh. La dernière fois que j'ai pêché, j'avais 7 ans. On ne buvait pas comme ça, hein, mais... C'est très chaud. Ah, je suis là, allez. Ok, vas-y, vas-y. Ah, attends. Tu dois donner du mou, là. Non, ça descend tout seul, là. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. C'est de la perche. Hop. Voilà. En te respectant. Il y a une certaine sérénité. Il y a une plénitude, voilà. Bon, c'est ça qui est important. Il y a quand même une... Voilà, on est là. Si on parle pas, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. Bon, les filles, on y va? On remonte les cannes à pêche. Non, 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 alors ça c'est non. Non. Ce soir au menu, saucisse Falukorf, une spécialité typiquement suédoise. Si les chiens en raffolent, Marie, elle, préférerait varier les plaisirs. C'est... Il y a beaucoup de saucisses. Des fois j'en ai un peu marre de la saucisse, j'avoue. Il est 17h. Allez, c'est parti pour 20 minutes. Comme tous les soirs. Coucou. Les voyageurs sont attendus pour l'apéritif. Trop belle en lutine. Je peux rien dire, mais il y en a deux qui n'ont pas eu le choix, en fait. Non, non, c'est super. C'est super. Allez. Bienvenue en Laponie. Avec plaisir. Skål, ça veut dire santé Skål. En suédois. Skål. C'est vrai, c'est vrai. Skål. Skål. Ah, c'est juste ting, 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 ting. C'est une petite mûre qui pousse comme sur un fraisier dans les marécages ici et qui est très prissée. Ils appellent ça l'or jaune. Ah ouais, très bon. On sent bien la nette, en fait. Ouais. C'est bon, si le groupe de copines revient pour la deuxième fois dans le Grand Nord, c'est pour la nature grandiose, mais aussi pour l'aventure humaine tentée par leurs hôtes. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui auraient envie de le faire, qui ne sont pas assez... Je sais pas comment. Ils ne quitteraient pas leur sécurité. Oui, voilà. Ils disent, oui, j'ai un travail, oui, j'ai ceci, oui, j'ai cela. Il faut réussir à passer cette peur. Donc, parce qu'on l'a eu. Donc on peut parler, il faut avoir les tripes quand même. Ouais. On l'a eu cette peur, on dit oui mais bon... Réellement on s'épuise. On est à fond, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on crée notre vie, on crée notre projet, donc on est en train de tricoter notre rêve finalement, parce qu'un rêve, c'est bien joli, ça reste une image, mais au bout d'un moment on peut se la dessiner, on peut se la tricoter. Ouais, franchement, respect. Non mais c'est vrai. Une année s'est écoulée en Provence. Une nouvelle vie et un nouveau look pour Audrey. Tout va pour le mieux pour la chevrière. Elle parvient désormais à vivre de son activité. C'est déjà presque en équilibre depuis le début. On avance tranquillement, on apprend et... on tâtonne et puis là ça a l'air d'être bien. Je trouve du confort dans ce que je fais là. Aujourd'hui c'est un week-end où j'ai beaucoup de chance, j'ai Lisa avec moi. Alors là du coup c'est encore plus confortable. Dès que j'ai du temps libre, j'ai envie d'être en plein air aussi, comme les chèvres. Maman elle me promène un peu là en fait. Non mais il y a une chose, une vérité, c'est que je suis plus beaucoup présente au niveau familial. J'ai mon activité qui me prend énormément de temps. Si on vient pas avec elle, on la voit pas spécialement. C'est le moment où on peut partager du temps ensemble. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est ça aussi. Bon, les filles, on va vous laisser, là. Enfin, les filles et les garçons. Il y a du masculin là-dedans aussi. Le seul accroc dans son aventure, c'est la fugue de sa première chienne de troupeau, l'indisciplinée Newly. Audrey a dû la remplacer au plus vite. Voici Izzy. J'avais lancé un appel SOS pour trouver un chien déjà dressé. Et elle m'a contactée. Elle m'a dit, écoute, moi, j'ai des chiens. J'en ai un qui a envie de travailler. Moi, je ne le fais plus travailler. Si tu veux, teste-le. Donc, je l'ai pris avec moi. Je suis tombée amoureuse de lui. Il a super bien réagi à l'adoption. J'ai rappelé Carole. J'ai dit, écoute, ton chien, combien tu me le vends? Elle me dit, je suis trop contente pour toi. Je te le donne. Ah là, elle m'a fait un cadeau extraordinaire. Comme tous les jours, après les pâturages... Bon, on moule et puis c'est bon, on fait la vaisselle. Audrey se rend à son laboratoire. Hein ? C'est ici qu'elle fait les fromages dont elle tire ses revenus. C'est bon ? T'as encore besoin de 3 mètres ? Ben oui, moi j'ai lavé jusqu'à mes poignets. Non mais... C'est pas vrai, ces gamins.
rester gamin. Lisa, 20 ans, est aujourd'hui étudiante en deuxième année de médecine. Sur mon mousse les armes. Bon, je vais mouler ça. Quand elle le peut, elle aide sa mère à préparer les commandes en cours. Les clients d'Audrey sont des habitués qui achètent ses fromages dans deux points de vente proches de son exploitation. C'est pas ça qu'il faut faire, ça va comme ça. Si, il n'y a plus du tout de pyramide. Tu fais tout comme une pro. Ça, c'est un mélange italien. Il y a des herbes, du poivron et de la tomate séchée. Avec de la coriandre, avec des épices. C'est l'aboutissement de toute ma carrière. C'est pas la partie pourtant que je préfère dans ce que je fais, parce que je voulais être chevrière. Donc je suis chevrière, mais il y a quand même en face le fait de pouvoir avoir les sourires des gens. Et ça, c'était ce que je voulais, faire un métier dans lequel moi je m'épanouisse déjà, mais aussi avoir la relation client qui est souriante. C'est le métier que je faisais avant, les gens étaient tendus. Tu réglais des soucis, quoi. Ouais, tu donnes du bonheur alors que avant, voilà. Des soucis. Voilà, avant je réglais des soucis, maintenant je donne du bonheur. Parce que le bonheur, ça ne s'achète pas, mais on peut toutefois acheter le fromage et c'est presque pareil. Avec la complicité de sa fille, Audrey découvre une nouvelle facette de son métier, commerçante. Là, c'est toutes mes commandes. Alors, il y en a qui sont déjà livrées. Et puis, voilà, celles que je dois mettre au frigo du caveau. Et donc, il m'envoie un message par texto. Nous, on fait par texto, par Messenger et tout ça. Hop. Donc, alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5. 27,50, ça fait ? Encore débutante. 10. Elle n'est pas très à l'aise avec les calculs. 37,50. Ben, compte. Vous aviez coupé 10 euros, là, quand même. Vous faites ça que pour les sourires, en fait. Samedi, Audrey n'aura pas le droit à l'erreur. Oh, oh putain. C'est le jour du grand marché de la région. C'est là qu'elle vend l'essentiel de ses fromages. Chaque semaine, le samedi, une journée marathon et une recette indispensable à son activité. Sur la côte caraïbe du Costa Rica, dans le jardin du Secret Garden, Pierrick vient d'achever les travaux de la terrasse. Donc c'est une première partie des travaux qu'on s'était fixé comme objectif qui est terminée. Ça donne du charme et un côté un peu plus classe. À force d'aménagements comme celui-ci, Pierrick et Elodie veulent rendre leur hôtel de plus en plus attractif. Mais ils se sentent déjà à l'étroit. Jamais à court d'idées, le couple a un ambitieux projet qui pourrait bien ancrer définitivement leur vie au Costa Rica. Le projet suivant, ça va être d'agrandir. On aimerait construire trois modules de trois petites chambres individuelles. Nous projeter dans les années qui viennent, rester ici. Qu'est-ce que vous dites? Là, on est parti pour rester ici, là, avec le projet qui va arriver d'agrandissement. Là, on va pas rentrer l'année prochaine, ça c'est sûr. C'est sûr, bon, on le souhaite pas en plus. Non, le projet de vie, c'est s'installer, faire notre famille ici et puis avoir notre vie ici. Le soleil toute l'année avec 28-30 degrés toute l'année. Ouais. Aucun regret pour le nord-est de la France. Le jeune couple a fini par trouver son nid. Elodie veut que sa mère découvre les merveilles de la région avant de repartir pour les Ardennes. Des trésors encore plus beaux, vus de la mer. Seulement, il faut embarquer sur des bateaux pas forcément très engageants. Non, je vois qu'il y a des gilets de sauvetage au pire. Des gilets pour rassurer la maman d'Elodie. Gracias. Tiens, donne-moi ton sac. Une nouvelle aventure pour Pascaline et un bol d'air précieux pour Elodie. J'ai dû bien sortir de l'hôtel, ouais, c'est cool. Du coup, j'ai laissé Pierrick tout seul, pour une fois. Alexander va les conduire le long des plages du parc naturel. Ça va bien ? Tout va bien ? Ok. On va aller à la pointe de Cavita, qui est là-bas. Et une petite balade en bateau, sur la mer des Caraïbes, c'est cool. Le parc national de Cavita est très réputé dans le Costa Rica. Et c'est juste magnifique.
Aquí varios pescados se han unido con pescados de río y los de sal y nacen nuevas especies. Ok, du coup, les poissons de la mer et de la rivière se rencontrent là au niveau où la mer et la rivière se rencontrent et ils font des poissons spéciaux. Ça y est, vous êtes fluente là? Non, franchement, je suis beaucoup plus à l'aise et c'est cool, je prends même les réservations par téléphone. Ça pour moi c'est un cap énorme et bon j'ai encore des améliorations à faire mais je me sens plus à l'aise, j'ai plus confiance en moi, donc c'est cool. Dans un décor de rêve, la balade en mer va durer plusieurs heures, largement le temps de profiter du spectacle. Ici, la jungle est à fleur d'eau, pour Elodie, un coup de cœur. Je suis toujours avec mon portable à la main, prendre des photos, filmer. À chaque fois, je vois toujours des nouveaux animaux. Enfin, c'est juste magnifique. Et ce jour-là, la chance est au rendez-vous. Oh, une tortue ! Merci, Alexandre ! Ah, c'est trop bien ! On vient de voir une tortue. C'est la première tortue au Costa Rica. Si, si, si. Oui, elle est énorme. Elle s'en va. Cool. Au fil des mois, la magie du Costa Rica continue d'opérer. Pura vida. Ouais, alors Pura vida, ils s'en servent pour tout. C'est la vie pure, c'est tu profites des moments présents sans te soucier du lendemain, en fait. Et ça correspond à ce que vous vivez ici ou... Non, on se soucie un peu du lendemain quand même. Mais pas trop Pura vida pour l'instant, nous. Alexander propose ses balades en mer pour une quinzaine d'euros. Et il connaît les meilleurs spots, comme ce ruban de sable accessible uniquement par la mer. Leur guide fait bien les choses. Pour ses passagères du jour, quelques fruits servis façon Robinson. On va dresser la table comme ça. Si. Gracias. Si le Costa Rica n'est pas réputé pour sa gastronomie, il reste le royaume du fruit. Tu veux de l'ananas ? Oui. Le fameux ananas du Costa Rica ? Très goûteux. Et nous, ce qui nous manque, c'est du fromage, du vin rouge, la charcuterie. Et ouais, un bon resto français, ça va, on a trouvé dans le centre, mais ouais, la bonne nourriture, parce que du coup, au Costa Rica, c'est beaucoup riz, haricots. Matin, midi. Donc dès qu'on a de la famille ou des amis qui viennent, ils ont une valise supplémentaire juste de nourriture. Ouais. Ouais. Foie gras. Foie gras. Pour les fêtes, ouais, on a eu foie gras Jurançon. Pendant quelques jours encore, mère et fille partageront des moments de bonheur dans la nouvelle vie qu'Elodie s'est choisie. À Sable d'Or les Pins, malgré l'épidémie, la haute saison a été sauvée. Le troisième été a tenu ses promesses et se termine de la plus belle des manières pour Corinne et Hugo. Bonjour Kylian, ça va ? Ouais. Une distinction vient les récompenser de tous leurs efforts. Hugo ne cache pas sa fierté. Ça, c'est la quatrième. Voilà, c'est pour ça que... Cette plaque est importante dans notre projet. C'était. C'est ce qui allait valider pour nous ce qu'on avait écrit un beau jour en termes de qualité d'hébergement. Voilà, on était 3 étoiles et passer 4 était. Traduisait notre montée en gamme et puis voilà ce qu'on avait l'intention d'offrir, on va dire, aux clients de l'hôtel de passage. Une consécration pour un projet qui prend une tournure de plus en plus familiale. Leur fille aînée, Alice, participe désormais pleinement à l'aventure. Est-ce que tu peux me faire un spritz, s'il te plaît ? Je me suis proposée l'été dernier pour venir les aider à l'hôtel, en salle, pour savoir surtout ce qu'ils faisaient quand ils n'étaient pas du tout à la maison. Et au final, ça me plaît beaucoup. Donc j'ai fait toute la saison. Il y a un an, et là, cet été, j'ai refait la saison avec eux pour me décider enfin à en faire mon métier plus tard. Avec Alice, la relève est peut-être assurée. Pour l'heure, c'est la fin de service pour Hugo. Comme tous les dimanches midi,
ils rentrent pour un déjeuner en famille dans leur nouvelle maison, idéalement située à deux pas de l'hôtel. Ça peut être 1 minute 30 en vélo, 10 minutes à pied, à peine 1 minute en voiture. On fait beaucoup d'aller et venu quand même entre la maison et l'hôtel. Et donc ça a vraiment facilité. Et puis, par ailleurs, si urgence ou quoi que ce soit, tu sais que dans les 800 mètres, t'es sur place, quoi. Ah, c'est un peu comme la 4e étoile pour l'hôtel. En fait, le fait de venir maintenant habiter... Voilà, on avait choisi de venir habiter en Bretagne, en Côte d'Armor, là où on était, etc. Mais le fait de venir maintenant déménager là, ça fait vraiment partie. Voilà, c'est une étape supplémentaire. Pour s'offrir cette nouvelle maison, Hugo et Corinne ont vendu leur résidence secondaire à l'intérieur des terres. Ils ont flashé sur cette villa contemporaine de 200 mètres carrés, avec un atout de taille. Là, une piscine de 9 mètres sur 5. Et puis là, il y a 9 mètres, là, il y a 5 mètres. Chauffée à 27 degrés. Visite guidée, assurée par Charles, le petit dernier. Là, c'est ma chambre. Je me suis installée comme je voulais. Là, c'est la salle de bain et les toilettes. Bon, je vais vous la montrer. Là, c'est la chambre d'Alice. Du coup, c'est la plus grande chambre de la maison. Elle a sa terrasse à elle. Bah là, la chambre parentale, avec vue sur la piscine. Bon, je vais pas tout envoyer. Alors, qui veut quoi? Il y a des merguez. Moi, des merguez. Pardon, des chipolatas. Il y a des brochettes. Avant de passer à table, au cœur des discussions, le désir d'Alice de reprendre le flambeau à l'hôtel. Les avis des parents sont partagés. Qu'as-tu répondu à la question Est-ce que tu es ravie que je choisisse l'hôtel? Ouais, que... J'ai dit, toi, t'as déjà répondu. J'ai dit, je suis très contente. T'es très contente? Oui. On l'a eu, cette conversation, quand on a repris l'hôtel. Oui. Tu disais, et ce serait pas mal de transmettre à l'un de Absolument. Nos enfants, etc. J'ai toujours pensé que... Pouvoir transmettre quelque chose professionnellement à ses enfants était vachement bien. Voilà. Depuis 3 ans, j'en reviens un petit peu. Mais j'ai le droit de changer d'avis, non? Tu as le droit de changer d'avis. Je vais avoir qu'une envie, c'est d'arrêter de travailler un moment ou un autre. Eh bien, quand tu voudras arrêter de travailler, je serai là. Exactement. Eh ben, je ferai ça avec toi, ma chérie. Non. 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 Surtout pas. Je te vire. Oh, merci. Je te mets à la porte. Oh. Allez, hop, les gars. 3 ans déjà en Bretagne. Pour la famille, ce changement de vie a été éprouvant, mais réserve encore de belles promesses. En ces temps troublés, la suite de l'histoire n'est pas encore écrite, mais les parents ont au moins la satisfaction de voir s'épanouir leurs 3 enfants dans cette aventure. Ce matin, c'est un grand jour pour Régis et Marie. Ils parcourent près de 1000 km pour se rendre à Nornas, dans le sud de la Suède. Ils sont là pour participer à une course de chiens de traîneau. Une grande première pour les Français. Bon, bah, c'est trouvé une petite place, hein. Viens au fond. Les tout derniers. C'est pas grave. Bon, allez. Marie prépare ses Samoyèdes comme de véritables athlètes. Je suis en train de mettre de la pommade entre les coussinets. Vous les sentez comment? En forme. Mais Régis sait que ses chances de gagner la course sont infimes. Protéger tes pattes. Hein. En fait, le Samoyède est une race qui est très peu... qui a une mauvaise réputation en course. On l'aime pas parce qu'il n'est pas travailleur, parce qu'il gueule tout le temps, parce que ceci, parce que cela. Et bien, quelque part, on a envie de démontrer que non, ce sont des bons chiens de traîneau qui peuvent partir en longue distance et faire des temps honorables. Donc le but était plus dans cet axe-là que de gagner les courses. Ça y est, les bébés vont partir. Face à eux, des attelages de Malamute, des huskies de Sibérie, célèbres pour leur rapidité et leur ténacité. Allez, on met le dossard. Et là, ça devrait être bon. Ouais, j'ai réussi à mettre un dossard. Yeah! C'est parti! Let's go! Pour l'honneur de ces Samoyèdes, Régis veut à tout prix finir la course. Hello! Do you have... Yep. Yeah. 4, 3, 2, 1, go! Hey! 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 Hey!
Avec ses 8 chiens de traîneau, il part pour un marathon de 65 km. Dans des conditions extrêmes. Ce jour-là, les températures affichent moins 32 degrés. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez. Allez. Non, 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 non. Yemka, non. À travers la forêt, dans des immensités blanches, pas évident de suivre le parcours. Il s'arrête beaucoup, hein. Au mieux, Régis espère atteindre la ligne d'arrivée en 6 heures. Au poste d'arrivée, Marie suit l'avancée de Régis grâce à un GPS. Un Samoyed court en moyenne à une vitesse de 10 km/h. C'est pas possible. 17 km/h. Ils sont en descente, là. Marie est un peu surprise. Ils ont largué Régis, le traîneau est parti tout seul. Vous seriez fière de lui s'il finit les courses ? Je serais très, très contente. Ce sera génial. Tout le monde sera content, je pense. Là, la ligne d'arrivée. Hein ? Ça va être sympa de voir arriver les loulous, là. Les petites boules blanches. Les bébés. Régis franchit enfin la ligne d'arrivée. Quel temps vous avez fait ? 5 heures et 57 minutes. C'est bien ? Pour des Samoyèdes, c'est bien. Oui, c'est très bien. Et vous avez pris du plaisir ? Oui. Oui, c'était vraiment super. Et les chiens étaient bons ? Oui, c'est des bons chiens. Good dog. Des très bons chiens. Je suis très contente. Plus de 10 de moyenne. Pour des Samoyèdes, c'est... C'est top, vraiment content. Content d'eux, parce que moi, finalement, c'est plus de l'endurance, mais c'est surtout eux qui bossent, en fait. Hein. Ouais, génial. C'est l'heure de la sieste. Un temps plus qu'honorable. C'est déjà une belle victoire pour le couple et sa meute, mais Régis et Marie sont loin d'imaginer ce qui les attend. Le lendemain matin, c'est l'heure de la remise des prix. Ils ont peu d'espoir de grimper sur le podium. Il a fallu arriver dernier, on aurait un prix. Là, on ne rentre pas. Le premier prix est attribué à John Statterbach. À 84 ans, le vainqueur est un vétéran des courses de chiens de traîneau. La troisième place est attribuée à Régis. À sa plus grande surprise, dans sa catégorie, Régis se retrouve finalement sur la troisième marche du podium. J'en reviens pas. Elle est bien bonne celle-là. Bah, c'est sûr. Mais la plus belle récompense, les organisateurs de la course la leur réservent pour la fin. Nous avons des invités spéciaux aujourd'hui, des Français. Je vous en prie, venez me rejoindre. Voici un cadeau pour vous souhaiter la bienvenue en Suède. J'espère que vous vous plaisez ici. Et bonne chance pour la suite. Cette fois-ci, plus de doute. Marie et Régis sont définitivement intégrés à leur pays d'adoption. Définitivement acceptés par les gens du Grand Nord. Oh, c'est l'émotion, je pense, parce qu'ils sont sympas, ils nous accueillent. C'est super sympa, genre pas. C'est dire qu'on est sur la bonne voie, qu'on a choisi le bon chemin. Ma poupée, oui, ma poupée. Ma poupée, c'est bien. Depuis 3 ans maintenant, Marie et Régis bâtissent leurs rêves autour de leur meute. Et aujourd'hui, ils ont une certitude, celle d'avoir eu raison d'oser tout quitter pour vivre leur passion commune. Dans le sud de la France, il est 4h30 du matin. Les fromages n'attendent pas. Audrey est déjà à pied d'œuvre. Bon, 4h30, ça fait tôt. Mais au final, je vais avoir une belle journée. Satisfaisante. Le compte à rebours est enclenché
Nous sommes samedi, jour de marché. Vous avez pris le coup de main, là, Audrey, maintenant? Ouais, il faut bien, parce qu'il faut aller vite, là. T'as pas de temps à perdre, hein? Ça, c'est du fromage extra frais, du coup. Les clients, ils adorent. Je vais les saler. Et puis, ils seront prêts à consommer. Tout juste sorti du moule. Aujourd'hui encore, avant d'aller au marché, Audrey peut compter sur l'aide de Lisa pour les derniers préparatifs. Maman, les 4 plateaux de frais qu'il y a au frigo, tu m'as dit oui tout à l'heure. T'en prends 2. En tout, 200 fromages qu'Audrey compte bien vendre aujourd'hui. C'est super maman un peu. Elle fait les fromages, elle accroche les remorques. Ah non, mais elle fait tout, tout. Elle gère l'administratif, l'économique, je sais pas si on dit comme ça. Les fromages, les chèvres, les bêtes, la voiture. Elle gère tout. Je sais pas comment elle fait. Et maintenant alors, Audrey ? On file voir les chèvres faire la traite. Il n'est que 6h du matin. Salut les filles ! Ah, elles étaient dehors, elles dormaient même pas. Audrey doit encore prendre soin de ses chèvres et traire le troupeau. Réglisse, allez viens ! Réglisse ! Viens ma fille, viens Ruby ! Bonjour les gros, oui bonjour. Ils sont nouveaux, eux aussi, non? Ah bah oui, et puis ils sont jeunes, ils ont 8 mois, là. Ils viennent d'avoir 8 mois. Les chiens de protection du troupeau, qui vivent constamment avec le troupeau pour les protéger, pour protéger mes bêtes. Hein? Audrey a désormais les gestes sûrs. Bon point fin pour les petites louloutes. Le métier est bien rentré. Pourquoi t'as voulu te mettre là, toi? Va choisir une place où t'arrives à rentrer tes cornes, toi. Vous avez le coup de main parfait, là, pour la traite. Ah oui, ça va vite maintenant, j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc ça se branche, ça se débranche facilement aujourd'hui. Ouais. J'ai acquis une certaine expérience. Le jour à peine levé, Audrey et Lisa prennent la route pour le marché du Canet des Morts, à 17 km de là. Alors heureusement, c'est une fois par semaine. Mais c'est intense, oui. C'est un rythme très cadencé. Voilà, aujourd'hui, j'ai l'aide de Lisa, c'est bien. Quand je suis seule, je prépare un peu plus à l'avance le vendredi soir. Il faut avoir une bonne organisation et après, ça découle. Un petit déj sur le pouce. Il ne faut pas tarder. Audrey est en retard. Bonjour, Olivier. Il est 8h du matin. Les premiers clients sont déjà là. Là, c'est gros dispositif, Audrey. Là, c'est plus important, ouais. Ben, on y reste toute la matinée et puis c'est quand même bien d'avoir un joli stand et d'être bien équipé pour le froid. Ouais. Masque évidemment de rigueur. Quand tu touches le fromage, il faut mettre des gants. Mais pour Audrey, le virus n'a pas trop nui à ses affaires, au contraire. Et les gens se sont tournés vers les petits producteurs par rapport au problème des supermarchés qui permettent moins de respecter les gestes barrières et tout ça. Et du coup, ici, sur les marchés, on est en milieu extérieur. Les gens avaient besoin de retrouver, une certaine authenticité. Du coup, ils se sont vraiment tournés vers nous, petits producteurs, et on a fait ça, nous. Audrey a maintenant 4 heures devant elle. Ça fait joli, hein? Pour écouler le fruit de son travail. Voilà. On peut se poser. C'est combien? 2,50€ le fromage. Habitués ou touristes de passage? Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Les clients s'enchaînent. Chose, en fait, que celui-ci. C'est du frais, ouais. Allez, je vais en prendre comme ça, je le goûterai la prochaine fois. La journée est prometteuse. Merci beaucoup. Merci. 11,10€, s'il vous plaît. La recette du jour, plus de 500€. Vous préférez quand c'est sec, mais pas trop. Un bon marché pour Audrey. Vous m'en mettez 2? Mais loin de son record, elle a déjà fait une journée à 1,000€. C'est gentil, merci. Vous avez fait confiance pour fleurs, oui. On n'avait jamais goûté. Et oui, hein, ça peut pas. Et ceux qui connaissent son histoire sont sous le charme. Il y a quoi dedans? Bah, ça fait plaisir, en fait. Ça fait super plaisir de se dire que on peut faire à peu près ce qu'on a envie à partir du moment qu'il y a la motivation. Et ça marche, quoi. Parce que clairement, quand on la voit, elle a trop envie. Moi, je trouve ça génial. C'est classe. Et on revient, du coup. Et on revient, parce que c'est trop bon. Voilà. J'ai le sourire qui est accroché là. Ils sont charmants, hein.
La belle aventure d'Audrey se poursuit sans anicroche. Un changement de vie, aujourd'hui abouti. Elle ne pouvait pas rêver mieux. Au Costa Rica, une fois n'est pas coutume, Élodie et Pierrick ont réussi à s'échapper de l'hôtel pour une sortie en amoureux. Moi, j'aime bien. Les moments comme ça où on sort à deux avec Pierrick, c'est vraiment rare. Ça fait du bien un peu de sortir de l'hôtel. Et pouvoir aller voir un petit cocktail à la plage, ça nous rappelle nous nos vacances à nous. À 2 kilomètres de l'hôtel, la Playa Negra et ses bars de plage très prisés des touristes. Tu veux quoi, Pierrick? Bien. Bonjour. Une bière et un soda, s'il vous plaît. Le soleil, reggae, plage. C'est pourquoi on est venu au Costa Rica. Demain, je verrai. Ah ouais, non, si tu vas avec Julie. Bah, ça dépend, soit demain, soit jeudi. Elle m'a dit, c'est soit demain, soit mercredi. Même hors de l'hôtel, vous continuez à parler de l'hôtel. Ouais, c'est vrai. C'est H24, en fait. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est intéressant. Coup, ouais, non, mais parce que du coup, on se voit pas toujours la journée, même si on bosse sur le même lieu. On a du mal des fois à se croiser et du coup, tu peux lui donner des infos. En fait, je t'ai pas dit, le client, machin, il a oublié ça. Pour demain, j'ai répondu à tel mail. Donc, en fait, on est toujours en train de parler de l'hôtel. C'est vrai. Ça s'arrête jamais. Après, c'est un peu notre quotidien aussi, l'hôtel. Donc, quand tu rentres chez toi, bah, tu parles de ton quotidien. Donc, nous, on parle aussi de l'hôtel. On y vit, on y travaille, donc ça prend beaucoup de place. Ouais, c'est vrai. Mais puis à l'hôtel, on parle quand même de l'hôtel. Pour le jeune couple, mieux vaut savourer l'instant, car les prochains mois vont être difficiles. L'épidémie de Covid va chambouler tous leurs plans. Le Costa Rica a été à son tour rattrapé par le virus. Pour se protéger, le pays s'est verrouillé. Il a été relativement épargné, mais l'hôtel a été fermé pendant 6 mois. Un coup dur pour le jeune couple. Mais heureusement, l'essentiel pour Élodie et Pierrick est désormais ailleurs. Salut les amis, ben, content de vous revoir. Comme vous pouvez le voir, la famille s'est agrandie. On a connu l'arrivée de notre petite Valentina depuis quelques mois déjà. On est super heureux ici. Puis, bah, je vais vous laisser Élodie vous raconter un petit peu ce qui nous est arrivé depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Et bon, bah, après comme vous, hein, on est passé par des moments un peu difficiles avec le Covid. Mais là, petit à petit, ça reprend. Le tourisme revient, les vols également. Du coup, on y croit, on reste là, Camita, je vous attends. Venez goûter la vie, la pyramida au Costa Rica. À bientôt. La petite Valentina est aujourd'hui costaricienne. Pour ses parents, cela donne droit à la résidence permanente. De quoi ancrer encore davantage Élodie et Pierrick dans leur nouvelle vie.